Hakumo, MKHA, le peintre, entre autres. Voilà, je vous présente la joie de voyager. Je l'ai intitulé comme ça. Je l'ai réalisé à Dakar, ou du moins à côté de Dakar, à Mbour. Donc voilà, c'est une toile que je ne vendrai pas, déjà pour commencer. C'est une toile qui est très importante pour moi. Elle a énormément de signification. Voilà, c'est la plage, c'est l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est le détroit de Gibraltar, c'est la mer Méditerranée, en même temps c'est toutes les mers du monde, c'est un port de pêche, c'est une barque qui traverse le détroit de Gibraltar pour aller en Europe. Il y a tout, il y a l'immigration, il y a le racisme, voilà, j'ai kiffé ce passage que j'ai fait justement à Dakar, Sénégal. J'ai kiffé grave. Et il y a une grosse enquête en fait. Donc vous aurez l'occasion de trouver ces images-là sur YouTube prochainement. Pas tout de suite, mais je vais les publier. Où j'explique en fait comment je me suis pris pour travailler cette perspective. Je suis sur une terrasse dans une baraque au Sénégal. Et en fait, j'ai mis une quinzaine de jours en fait pour le faire. Voilà. Je l'ai jamais touché en France ni ailleurs. Tout a été fait au Sénégal. Là, c'est du sable du Sénégal et avec de la peinture à l'huile. Là, tout le reste, c'est de l'acrylique. Donc voilà, je voulais vous présenter cette œuvre que j'adore. Pour terminer, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aime beaucoup le street art. Je vais partout pour voir justement des spots de street art, des postes de graves, de tags. J'adore dans le 93, dans le 75, dans le 15, dans le 13, dans à Melbourne, à Tokyo, il n'y en a pas beaucoup. En Algérie, partout, je vais partout pour aussi jeter un coup d'œil sur l'identité des graphes et des tags des différents pays, des différentes capitales, des mégalopoles notamment. Donc voilà, et c'est vrai que là je me suis beaucoup inspiré du tag en fait, du street art et du tag pour faire ça. Il y en a qui vont dire que je dis n'importe quoi, mais c'est la réalité. Moi je viens d'un quartier populaire, hyper sensible comme ils disent, même si on n'aime pas trop ça, quartier violent, virulent, quartier où il y a plein de choses qui vont pas. Et en fait j'ai jamais eu envie de faire nécessairement du graphe, de graper sur les murs, etc., etc. Mais j'ai toujours eu envie de peindre et sur des toiles, voilà. C'est mon kiff en fait, c'est là où moi je ressens le kiff. Mais j'ai voulu introduire toute cette culture liée au mouvement hip-hop et notamment du graffiti dans mes toiles. Voilà, donc là c'est vraiment tout un travail qui a pris des années et des années. Voilà, Hakimo. On va prendre un petit peu des détails. Voilà, lui regarde l'Europe, lui. Lui regarde l'Europe. Pour moi. Après, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Voilà, j'adore cette toile. La joie est de voyager. Hakimo.